Mademoiselle, votre date de naissance. L'année, le mois, le jour et l'heure. Je suis née en 1941. Vous êtes astrologue ? Quelle date ? À 25 février. Vous êtes astrologue ? Oh, pas vraiment. Vous avez appris tout seul ? Non, pas vraiment. Non, pendant la guerre, j'ai lu, j'ai beaucoup lu. Puis j'étais à la trappe en Belgique. Chez les trappistes. On fait de la bière chez eux ? Ah, très bonne bière. Ça devait être dur là-bas. Dur ? Oh, vous plaisantez. C'était les plus belles années de ma vie, oui. Ouais, mais la Belgique était occupée, les Allemands, la Gestapo. Les Allemands. Ah, vous disiez donc que vous étiez né un 25 février. Dans quel département ? À Mönchengladbach. Ce n'est pas ici, c'est en Allemagne, en Rhénanie. Je ne sais pas le département, il n'y en a pas. En Allemagne. Ça change tout, ça. Vous ne m'aviez pas dit que vous n'êtes pas d'ici. Vous ne me l'aviez pas demandé. Mönchengladbach. La Ruhr. C'était une région riche. L'acier, le textile. Ils étaient travailleurs. Quel dommage. Quelle heure ? 9h moins le quart. À quelle heure ? Non. Vous n'avez pas demandé à vos parents ? Non. Ils ne vous l'ont pas dit ? Non. Ah, vous avez bien un extrait d'acte de naissance, une fiche d'état civil. L'heure n'y figure pas ? Non. Ah, ce sera long, mademoiselle, sans votre ascendant. L'ascendant peut parfois très fort influencer le signe. Et vous m'avez donné que la moitié des informations, alors ça sera plus long et plus difficile. Il faudra être patiente. Chez les trappistes, on observe la règle du silence. Ça ne vous gênait pas. Et la méditation est une bonne école. Pourquoi étiez-vous chez les moines ? Vous êtes croyant ? J'ai cru en certaines valeurs. Puis c'était une opération de salubrité. Entreprise grandiose. L'Occident a perdu sa seule chance de salut.
Vénus au Verseau. Mercure au Verseau. Maison 4. C'est comme une éclipse. Un foyer sacrifié. Vous êtes né un mardi, jour de mars. Le ciel vous a doté d'une nature ouverte et avenante, assez très lisible. Et intelligence, intuition, harmonie, mysticisme, oui. Et des secrets, beaucoup de secrets. Une bulle. Je ne vois pas. J'aimerais vous souhaiter des choses bonnes, mademoiselle, mais ce n'est pas dans mon pouvoir. Vous avez eu froid, très froid, mais la chaleur est en vous aujourd'hui. Vous êtes sur une voie qui vous tient à cœur, mais vous la quittez avant mars prochain. Et je vous vois prendre une direction parallèle, proche de celle où vous vous trouvez. Et vous y brillerez un jour. Ah, votre ciel est éloquent, malgré... Vous êtes né pour de multiples conquêtes, mais pour l'amour d'un seul homme. L'homme avec lequel vous vieillirez. Il remplacera pour vous. Je voudrais rentrer. Déjà, j'ai pas fini. Je suis fatiguée. Et je pourrais pourtant vous dire encore d'autres mais choses. Je n'ai pas cette peine, Léta. Ah, mademoiselle, il s'est passé un événement très tôt dans votre vie qui a tout embrouillé. C'est comme un creux, un trou qui vous aurait avalé dès la petite enfance. Je ne comprends pas, il y a un manque dans votre thème, mademoiselle. Vous avez vu juste, monsieur, c'est ma mère. Elle est morte à Auschwitz en 1944.